Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu médiéval fantastique. Et pour ça, on a fait appel à un expert du Moyen-Âge. Salut à vous les pourceaux! On a demandé un expert en Moyen-Âge, par un type du Moyen-Âge. Je suis désolé là, mais ça va pas le faire monsieur. Faut repartir chez vous. Non mais c'est pas possible hein, moi je suis parti, ça marche que dans un sens hein, maintenant je reste ici hein. Et vous êtes là pourquoi? Eh bien... Je suis là pour vous aider à sauver le monde! Ouais bah, faudrait surtout les aider à pécho hein, parce qu'ils ont vraiment du mal. Eh oui les enfants, c'est Célibate, la chauve-souris du célibat. Oh, c'est moi. Eh mais je le connais lui. Lui par contre je le connais pas. Alors c'est parti pour Dragon Slayer, on va laisser notre expert médiéval jouer. Un expert, il vient du Moyen-Âge. Ouais, je sais pas d'où il vient, mais ça sent. Hein. Alors déjà, bon, il arrive à se servir de la manette, c'est déjà cool. C'est inné. Voilà, alors là, attention. Wouah, bien joué, bien joué, bien joué. Comment t'as fait? Ah mais ça repop à l'infini. Voilà, putain, il est nul. Trop mauvais, trop mauvais. Pourquoi il s'est cassé le pont? Ah, c'est un piège. Il faut que tu sautes au-dessus de ce truc. Déjà, le héros ne ressemble à rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, fais un saut en avant. Oh putain. Repars en arrière, vite, 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 repars en arrière, il va... Voilà. C'est quoi ce truc de dingue? Faut que tu trouves un moyen de t'accroupir pour éviter sa boule de feu, là. Ah, voilà, d'accord, ok. Les contrôles ont l'air absolument dégueulasses. Allez, un saut en avant. Ah non, tu peux pas. Voilà, là, repars en arrière, saute en arrière. Putain, mais c'est atroce ce jeu, laisse tomber. Oh, putain, ça vole pas loin les couteaux. Il y a une... Traverse même pas l'écran. Oh là là, putain. Vas-y, repars vite en arrière. Encore. Accroupis-toi. On sent que les contrôles sont bien réactifs. C'est, j'entends le mec appuyer, 2 heures après, le personnage n'a pas bougé encore. Je vais de plus en plus loin. Ouais, mais... Bon alors c'est peut-être pour l'instant le pire départ de jeu qu'on ait jamais vu. C'est pas possible de faire un truc comme ça. C'est possible. Jeu du Moyen-Âge. Ouais voilà. Attention, accroupis-toi. Voilà, et puis t'envoies des dagues en restant accroupi. Mets-toi au bord de l'écran si possible. Faut que tu te lèves pour qu'il se lève peut-être. Voilà, vite ça. Accroupi. Oh putain, ça va durer longtemps comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as de la chance, la chauve-souris ne repop plus. Et ça c'est censé être le dragon, espèce de ver de terre de limace dégueulasse là. Ouais, le crocodile des douves. Oh là là, ouais. Oh bah alors l'esquive là. Nul, zéro. C'est en fait c'est le jeu tout le monde a arrêté dès le premier écran quoi. C'est pour ça qu'ils en ont peut-être pas vendu des masses parce que. Ah, c'était déjà deux continues pour avoir passé le premier truc. Bah on dirait le dernier boss du jeu en fait. C'est peut-être la fin déjà, non? Ouais. Si seulement. C'est pas possible. C'est que... peut-être de coller plus contre la paroi. T'imagines le petit enfant de 8 ans qui reçoit ça pour Noël. Mais il devient fou le gamin. Ah bah il devient japonais hein. Ah il a les yeux qui se brident. Il se jette par la fenêtre directement plutôt que de jouer au jeu là. Hein. Oh là là. Tente pas le double shot. Hein. C'est trop lent. Ouais, là c'était limite déjà.
Et il a... Oh, oula. Ouais, c'était beau ça. Tu peux lancer rapidement en fait. Le seul truc qui est rapide dans le jeu, c'est les dagues, ouais. Ouais, fais gaffe. Par contre, il y a un peu trop de vie, quoi, le bestiau pour... Ah, c'est nul, ouais. Ah, faut que tu ressautes au début, sinon tu vas crever, là. Ouais, il y a des trous, hein, je te rappelle. Voilà, ressaute encore. Non. Un gros saut. Voilà, ressaute. Ah non, putain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chercher le truc. Ah non, mais... Oh putain, j'ai pour 10 minutes, t'as tué le monstre. Je suis imperfectionniste. Ah putain, mais il est trop mauvais, le mec, là, laisse tomber. Oh, la chauve-souris, t'as pas tué. Un croupier. Vous en avez d'autres encore, des hydromels comme ça? On a une caisse qui traîne là-haut, si vous voulez. Attention! La chaise! Oh putain! C'est le pire début de jeu, franchement. Et tu peux pas retourner à ton époque en plus. je pense que je peux, mais faut que je termine le jeu. Je pense que le mec, il préfère choper la peste que de jouer à ça, quoi. Essayer d'aller à la fin, à mon avis. Les souffrances sont moins longues, quoi. Ah, puis la peste a disparu, quoi, ce jeu. Oh là là. Ah, la chauve-souris, mais tu prends un coup, en fait. Ouais, je pense qu'il essaye de sauter. Tu prends sur le premier niveau. Saute, cours, vole, baisse-toi. C'est d'une lenteur, mais c'est atroce, quoi. Ça doit être injouable. S'il faut déjà 10 minutes pour repasser le premier truc, le dernier niveau... Je sais pas, mais... T'as su l'heure par trash. C'est n'importe quoi, un début de jeu, n'importe quel game designer sait très bien qu'on met pas des trucs aussi difficiles en nombre comme ça. Bon, peut-être que c'était un hardcore gamer le mec. Wouah. Il était plus loin que 90% des joueurs. Par contre là tu vas crever à cause des mecs dans les jeux. Qu'est-ce que t'es censé faire là? Bah attendre qu'ils balancent leur truc et passer quand ils... Ah mais là tu vas te la manger. Ah oui, mais tu meurs avec un caillou. Ah la vache. Ouais, tu peux essayer à coup. Oh putain, c'est n'importe quoi. Non, à mon avis, faut que t'attendes qu'il disparaisse et que tu passes quand... Mais je pense qu'il doit passer accroupi quand même. Je veux partir. Là tu cours. Trop tard. Il y a une touche pour courir. Non. Ça m'étonnerait. Il balance les deux trucs et après tu te passes, seulement après. C'est ignoble comme jeu, c'est une horreur. En fait, avec des graphismes comme ça, il faut... Dès que tu l'as lancé, c'est sympa. Ah, il le lance que dans une direction. Ouais. Bon, ça va. Oh putain. Serpent qui sort de nulle part. Et tu lances des dagues. Dès que tu passes un truc, faut que tu lances des dagues au cas où il va y avoir quelque chose. Il te laisse une toute petite marge de manœuvre, c'est vraiment... C'est énervant à regarder, déjà. C'est... Enfin, ça, le concept, ils auraient pu mettre les vies. Non, là, il fallait envoyer des dagues, là. Dans mes bras. Oh. Un vrai chevalier en équipement, là. Voilà, on va voir si avec ses super moufles, il va mieux y arriver. C'est des vrais moufles médiévales. Il a le casque qui va bien. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, ça va, il s'en sort, hein. Il n'arrive pas à se déplacer, mais il s'en sort. Attention! Oh là là! Ah, c'est stressant. Tous les inconvénients du jeu, en fait. C'est stressant, c'est moche, c'est désagréable, c'est injouable. La musique est pourrie. Voilà. Ouais, il faut le stresser un peu, parce que le mec, je pense qu'il s'endort dans son casque. Attends, là, c'était tendu, là, il tue le premier boss du premier niveau. Ouais, le jeu commence par un boss, bon, ça arrive. Il y a des bons jeux où ça arrive, hein, genre Castlevania, puis il y a des mauvais jeux où ça arrive aussi. On te met un boss au début. Oh, c'était beau. Waouh. C'était tendu. Là, c'est impressionnant, quand même. Ouais, ça mérite un bonus. Joué. T'es content, hein, d'avoir eu ce bonus et cette belle image pour te récompenser de tes efforts. Je crois que je suis meilleur avec les moufles. C'est tout à fait possible. Tu retrouves les conditions de l'époque. Bon, dès qu'on les a franchis, les mecs-là, ils disparaissent. C'est ça qui est intéressant. Oh, putain. Le soumis.
Ouais, voilà, mais le personnage, c'est une victime. Déjà, au départ, c'est pas un héros, donc t'as pas envie de... T'as pas envie de l'amener à la fin, c'est ce que je disais. Je vais perdre la manette. Attention! Ah putain, mais il est trop mauvais! Catastrophe! Putain, le mec, il vient du Moyen-Âge, il s'attend même pas à ce qui va se passer. Pourtant, tous les jours, il y a ça au Moyen-Âge, non? Ah oui, quand tu vas faire tes courses le matin, t'évites des pieux qui tombent du plafond, t'as des squelettes qui te lancent des cailloux. Ah, mais je cours plus vite. Remarque, dans notre monde actuel aussi, t'as des connards qui te balancent des cailloux. Hein. T'es été trop loin, il est super roule, le serpent. C'est dommage, parce que là, tu te fais toucher, tu t'en fous, en fait. Juste des pop. Ouais. Oh là là là. Oh là là là. Ah, et puis, c'est même pas un... Attention, la reine. Ouais, l'araignée, je pense qu'elle va te tuer. Ouais. Tu peux pas sauter et attaquer... Ah, si. Ah ouais, il faut la toucher plusieurs fois, donc... Oui, j'ai vu la taille de l'araignée, c'est normal. Il faut au moins 50 poignards pour la tuer. Donc là, faut que tu repars tout de suite. Oh, putain. T'as de la vie au-dessus, là. Ouais, non, mais repars, parce que tu vas te prendre un caillou. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre qui... Repars. Voilà. Ouais, non, c'est pas faisable, ça. Ouais, en fait, laisse tomber le truc. De toute façon, il y a tout... Attends qu'il disparaisse et tu viens la chercher. Il va disparaître, de toute façon, mec. Dès que tu l'as franchi, il disparaît. Ouais, avance derrière, quand il a lancé ses trucs. Ah, repars. Oh putain. Ah, il disparaît pas, lui. Peut-être qu'il va disparaître après. Non. De toute façon, t'as pas spécialement besoin de vie, vu que tu te fais one shot par tout ce qui se passe. Attention, il y a une marche d'escalier, là. Fais gaffe. Tu vas trébucher. Ne trébuche pas, attention. Il arrive pas à sauter la marche d'escalier. Mais c'est très dur de monter une marche d'escalier. Là, il y a de l'énergie. Ah non, c'est quoi, D? Ça fait être la mort. Oh là là, c'est atroce comme jeu. Vas-y, cours! Laisse tomber les moustiques, ils te tuent pas. Le mec arrive. Mais non, mais lui, il tue par contre! Oh là là! Bon, c'était Dragon Slayer, c'est vraiment pourri et on n'a pas envie d'aller plus loin. Peut-être une fois comme punition, quoi. Voilà. Ouais, bah hier soir, vous avez rien réussi du tout, hein. La fille, elle est partie. Ah ouais, c'est pas ce que vous nous avez raconté, hein. Vous êtes nul en fait. Non, mais c'est pas ça. On aimerait savoir si vous auriez pas une solution pour la faire disparaître. Un truc magique, n'importe. Ouais, on aimerait bien se débarrasser de ces chauves-souris de merde. Y'en a marre. Oui. Il me semble déjà avoir vu Merlin préparer ce genre de potion. Une potion magique. Mais les ingrédients sont pas faciles à obtenir. C'est quoi de la chorégraphie là?